Tu as vu la photo? J'ai pas besoin de voir de photo. Martine est tout le temps dans ma tête. Les gens qui meurent restent dans nos têtes parce qu'on les aimait. Et parce qu'ils nous aimaient. Ta maman n'est pas venue? Je sais pas où. Chicago, Miami. Qui vient te chercher? Ma gardienne vient me chercher. Bye. Bye. Vous avez jusqu'à lundi pour me soumettre le budget de votre sortie de fin d'année. Bachir, t'as décidé ce que vous alliez faire? Bachir? Oui. Votre sortie de fin d'année? Je pensais les amener voir le malade imaginaire. Ils vont être surexcités à l'idée. Il y a des parents qui ont demandé que Simon soit suspendu pour son coup à Victor. Mais là, les deux jeunes jouent ensemble dans la cour d'école aujourd'hui. Je vois pas pourquoi les parents se mêleraient de ça. Mais non, mais c'est sûr que ça concerne mes parents. Ça fait 3 ans que Simon s'enlise dans la violence. Sérieusement, là, c'était juste de moi, mais je pense que ce serait l'expulsion. Ce qui concerne les parents, c'est le deuil des enfants. Punissons l'escarmouche, mais la photo de Simon indique un problème plus significatif. Vous insinuez quoi, là? Mais je n'insinue rien. Je parle du deuil des enfants, de l'école. Bon, à part la photo, on reproche quoi au juste à Simon? Ouais, c'est un petit gars agressif. Quand vous lui soufflez dans les oreilles? Non, il a été odieux avec Martine. En dessinant sur la photo? Non, Audrey, on reviendra pas là-dessus. Revenir sur quoi? Oh, Seigneur. Martine donnait des cours de récupération à Simon. Puis un soir qu'elle l'a consolée parce qu'il y avait des problèmes à la maison, elle lui a fait une accolade et Simon l'a violemment repoussé. Après ça, il s'est plaint que sa maîtresse l'avait embrassé. Embrassé? Non, le petit a dit qu'il avait donné un bec. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'était une accolade. Martine était comme ça avec tout le monde. Elle était très affectueuse. Martine n'avait rien fait de grave, là. Sinon, manquait un peu de jugement. Une petite tape d'encouragement dans le dos. Ah, manque de jugement. Hey, moi, mon gars, là, il est revenu du camp d'été avec des brûlures au 2e degré dans le dos. Ah, oh, Gaston, s'il te plaît. Parce que le moniteur, il avait pas le droit d'y mettre de la crème solaire. Hey, aujourd'hui, là, il faut aimer travailler avec les enfants comme on travaille avec des résidus radioactifs. Pas de touche, sinon tu te brûles. T'exagères. Ah ouais? Essaye d'enseigner pour le fun la gymnastique sur un cheval d'arçon, toi, sans toucher aux jeunes. C'est impossible. OK, merci, Gaston. Non, c'est pas que je prends mon sifflet puis je les fais tourner en rond comme un con, puis ils me prennent pour un con. Martine, elle a consolé le petit avec une accolade. Elle s'est brûlée. Elle a trouvé sa toffe. Oui, c'est vrai, elle a trouvé sa toffe, mais là, t'extrapoles. Bon, on a la possibilité d'aider Simon ou de pelleter le problème dans le cours des autres. Moi, je pense qu'il est encore à notre portée, cet enfant-là. Je suggère qu'on les mette en retenue une semaine, puis je vais faire voir Simon par une spécialiste. D'accord, une spécialiste. Vite, vite, tape en arrière! Oh! Très bien! Allez, 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 allez! Oh! Oh! Martine en pendu. Je suis pas normale, tu savais pas? T'es pas le seul à avoir de la peine, tu sais. Mais t'es le seul à avoir été aussi chien avec elle.
ses affaires, ce qu'il y avait dans son pupitre. On a appelé son mari, il est pas venu. J'allais acheter tout ça. J'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose d'utile. Pour que toutes les semaines, tu puisses leur raconter une fable nouvelle. Pierre. Pierre, c'est son mari. Il est pas venu. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Très convaincant, mademoiselle Marie-Frédérique Caron-McCarthy. Que nous enseigne cette fable? C'est injuste pour l'agneau. Injuste, intéressant, pourquoi? Parce que l'agneau n'y a rien fait. Rappelez-vous du début de la fable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons le montrer tout à l'heure. Êtes-vous d'accord? Ben, c'est parce que c'est pas une question d'être d'accord. Même si ce que Lou dit a aucun sens, il n'y peut avoir raison. Comme vous? C'est-à-dire? Ben, c'est vous le plus fort, fait que vous décidez tout, mais c'était injuste. Pour explorer ça ensemble, vous allez tous composer une fable ayant pour thème l'injustice. Et pour que ce soit plus juste, moi aussi je vais écrire une fable que vous allez corriger. Allez, fuyez la justice du professeur. Et bonne soirée. Ah, bonsoir. Vous frappez plus fort, je pensais que c'était les tuyaux qui cognaient. Les tuyaux cognent, c'est merveilleux. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Bien, merci. On peut se tutoyer? Oui, sans doute. Manteau? Merci. Des samsas à menthe pour vous. Merci. Mais, tu veux boire quelque chose? Un verre de vin rouge. À qui? Madame Dumas n'est pas arrivée? Ah, Pierrette peut pas venir à s'excuse. Petite musique ethnique? Ouais, non. C'est le iPod qui est sur shuffle. Shuffle? Ouais, shuffle. Ah, shuffle. Toi, tu sais vraiment pas ce que ça veut dire, shuffle? Non. Ça veut juste dire de façon aléatoire. C'est l'iPod qui choisit les musiques. Puis, ben, un peu comme les MP3. Hein? Un peu de bouffe ethnique. Merci, tout à l'heure. Vous faites plus que du théâtre. Du théâtre, des conjugaisons, des mots de vocabulaire, des dictées, des compositions. Sincèrement, Claire, je n'y arrive pas. Ah, oh, ben, je sais pas quoi te dire, Bachir. C'est juste un souper, on peut remettre ça. Je parle du programme scolaire. Oh! Excuse-moi. Non, non, c'est moi. Je suis lourd avec mes angoisses. J'angoisse pour les petits. Je les imagine toujours devenus grands, mais ils parlent encore comme des enfants. Et c'est ma faute.
parce que j'ai oublié de mettre un peu de couleur dans leur vie. Un peu de violette africaine dans la classe. Mais je culpabilise de les avoir abandonnés. Mais il y en a toujours qui nous échappent. Ça veut pas dire que tu les abandonnes. Vous avez bien connu Martine Lachance? Assez, ouais. Vous pensez qu'il y a une relation entre l'incident de Simon et le suicide dans la classe? Mais Martine n'allait pas bien depuis beaucoup plus longtemps. Elle faisait des crises d'angoisse. Mais de là à se tuer... On parle-tu d'autre chose? De quoi? Ben raconte, t'es partie à cause du terrorisme en Algérie? On peut dire ça. Quand? Il y a quelques années. Il t'a enseigné pendant la guerre? Non. Oui. Oui. Et vous en parliez en classe? De quoi? Ben, du terrorisme, des victimes. Ah, tu veux parler des morts maintenant? Tu viens de me tutoyer. C'est vrai. Tu peux pas revenir en arrière. Ce serait étrange, en effet. D'autres vins? Absolument. Ah, ça se réchauffe un peu. Puis là-bas. Icoline! Non. Ben, en fait, j'ai quelqu'un à souper. Ah, un collègue. C'est lui. En Algérie. L'Arabie, c'est à 4000 km de là. Je te rappelle demain, OK? OK. Bye. Ma mère, je suis bougamou. Moi aussi, je suis une immigrante. Je suis partie de là pour aller en Afrique. J'ai vu Dakar, Bamako, Ouagadougou, avant de voir Montréal. Vous en faites profiter les enfants. Ouais. Mais je suis sûre que toi aussi, tu dois en faire profiter les enfants. De quoi? Ben, ton histoire, d'où tu viens. Non. Tu leur parles jamais de ta culture? Non, ce n'est pas le but des cours. C'est juste que l'exil, c'est une sorte de voyage, finalement. Non, Claire. Pour la majorité des immigrants, le voyage, c'est être sans papier, déraciné dans un pays dont on ignore la culture. Je ne sais pas pourquoi, mais la violette perd ses fleurs. Tu l'as peut-être mis trop près de la fenêtre. Il faut lui parler aussi. De quoi? N'importe quoi. De toi. Parle-lui toi, Bachir. Elle va suffoquer d'ennui. C'est dommage que tu penses ça.
Allez. Bon.